Allez, au clair de la lune, version pour les débutants. C'est parti. 2, 3, 4. Voilà donc pour cette version-là. On va commencer par l'étude des accords. Alors pour les débutants de première année, nous n'avons pas vu encore l'accord de Do et l'accord de Sol. Donc soit vous les travaillez un petit peu à côté, je vous montrerai les positions, soit vous laissez tomber et vous travaillerez directement la partie mélodique. Par contre, pour les autres, on peut commencer à travailler l'accompagnement. Ici, j'ai tout joué à la noire, mais on peut faire soit des rondes. 2, 3, 4, soit des blanches. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Pour ceux qui ont encore un peu de mal à faire la battue à 4 temps. Alors, au niveau des accords, nous avons 3 accords. L'accord de Do majeur, l'accord de Sol majeur et l'accord de Ré mineur. Première phrase du thème, je vais avoir une mesure complète sur l'accord de Do, donc 4 temps. Deuxième mesure, une demi-mesure de Do, une demi-mesure de Sol, une demi-mesure de Do, une demi-mesure de Sol, et une mesure complète de Do. Donc avec mes 4 temps, ça donne 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. En faisant la battue, 1, 2, 3, 4. Deuxième ligne, c'est exactement la même. Do, 4 temps. Une demi-mesure de Do, une demi-mesure de Sol, une demi-mesure de Do, une demi-mesure de Sol et Do. Troisième phrase, c'est là où ça va changer. Donc là, je vais passer sur un accord de Ré mineur et que je vais jouer pendant 3 mesures. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et un accord de Sol pour résoudre. Donc avec la battue à 4 temps. 1, 2, 3. Veut faire avec des rondes, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et dernière ligne, ben, c'est la même que la première et la seconde, donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Vous pouvez tout à fait commencer juste en marquant l'enchaînement d'accords. Vous n'êtes pas obligé de gratter les 4 temps pour commencer. Ça, vous le ferez une fois que vous serez à l'aise avec l'enchaînement des accords. Pour la partie mélodie, rien de bien difficile. Nous sommes sur des noires, des blanches et des rondes. Tonalité de Do, avec des notes que nous connaissons bien maintenant. Première phrase, Do. Alors sur le mi et le ré, j'ai deux blanches. Donc attention de compter. 1, 2, 3, 4.
Et résolution de la phrase, do, mi, ré, ré, do. Et là, c'est une ronde, elle dure quatre temps. Et j'en profite quand je joue mes notes pour dire le nom de mes notes. Ça me permet d'assimiler ce que je joue avec le nom de la note et le son de la note. Donc si on reprend la phrase en entier, do, 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 ré, mi, ré, do, ré, ré, do. Deuxième phrase, c'est la même. 3, 4, do. Troisième phrase, comme pour la partie d'accompagnement, ça change. Donc cette fois-ci, on va regarder nos notes. J'ai le ré que je veux répéter quatre temps. Et ensuite, le la que je vais jouer deux fois sous forme de blanche. Donc l'enchaînement de ces deux mesures, ça me donne ré, 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 la, chut, la, chut. Résolution de la phrase. Ré, do, si, la, sol, et le sol qui est une ronde. Donc en mesure, 3, 4. Ré, si, la, sol, 2, 3, 4. La phrase en entier, 1, 2, 3, 4. Ré, 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 la, chut, la. Et pour finir, eh bien on reprend comme la phrase initiale, donc do, 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 ré, mi, chut, ré, chut, do, mi, ré, ré, do, deux, trois, quatre. Voilà.